Puis il y a un gros problème qu'on a aussi, c'est la culture d'entretien de certains inspecteurs. OK? Genre, que les inspecteurs, mettons, vont dire que c'est de la responsabilité du locataire s'il y a de la moisissure, okay, parce qu'il fait bouillir trop longtemps son... Il brasse la douche trop chaude. Moi, je veux dire que vraiment, j'ai eu de la difficulté avec la propriétaire. Quand je suis arrivée là, il y a 2 ans, là, elle n'a absolument pas rien fait. Ce sont de vieilles fenêtres. C'est pas ouvrable, c'est épouvantable, t'es obligé. Avec le moustiquaire, c'est la même chose. C'est un vieux système, c'est une maison de 1840. Ben, ensuite de ça, les comptoirs, c'est taché, ça aurait pris vraiment un bon ménage. Mais là, elle n'a pas voulu le faire. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'au plafond, là, il y a des... c'est complètement écaillé. Parce que à Noël passé, il y a eu comme, je ne sais pas si c'est elle, a dit non, c'est pas vrai, c'est mon toit, il a été refait, c'est pas ça pantoute. Fait que ça a tout fait gonfler, là, puis ça l'a écaillé, là. Et puis, finalement, elle a envoyé un peintre, il l'a fait, là. Même toutes les autres places aussi dans la cuisine, ça commençait, puis tout ça. Puis, finalement, ça l'a repris au printemps. Mais là, depuis ce temps-là, elle n'est jamais venue le faire. Même que j'y demande à tous les mois, toutes les 3 semaines, j'y demande absolument de venir faire le plafond. Ben moi, l'ascenseur, elle ne marche pas bien depuis 2 ans. Puis elle a mis un beau papier, attention à la marche, puis ça fait 2 ans que c'est là. L'ascenseur arrête. Il y a souvent des dégâts d'eau, et puis même, je pense que c'est le troisième que j'ai depuis le commencement. Ben, pour que. Dans mon appartement, mais d'un passage. Non, moi, ça fait 20 ans que je me sens à la même place. C'est une vieille maison, hein, des années 40. Là. OK. Puis ça fait 2 ans que j'ai une nouvelle propriétaire. Puis une nouvelle propriétaire, là, on ne la voit jamais. On passe proche de se tuer, puis c'est glissant. Hein. Tu sais, quand c'est peinturé, là, l'hiver, là. Ah oui. Quand okay. Avant, là, l'ancien propriétaire, il nous mettait un tapis. Il mettait des couches. Les tapis. Comme un tapis de jute. Ah oui, les tapis. Puis là, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec, elle l'a, mais elle n'avait pas le posé. L'année passée, on lui a demandé, puis elle ne l'a pas mis. Moi, ma grande préoccupation, ouais. Là, de façon générale, là, c'est que je le vois dans mon coin, il y en a qui laissent détériorer les logements, là, à un point, ils réparent bien, tout ça, à un point qu'à un moment donné, c'est tellement détérioré que là, ça leur donne une bonne raison d'envoyer tout le monde puis de faire des condos avec ça. C'est ça qui m'énerve. Je l'ai vu à côté de chez nous, là, puis ils ont pris ça, cet exemple-là, pour dire, là, vous voyez, là, c'était tout croche, puis là, ben là, ils ont tout... puis là, le condo, il se vend 360 000. Chaque logement. C'est ça ma préoccupation. Puis mon propriétaire, c'est ça qu'il fait. Il laisse tout détériorer, il ne veut rien faire. Puis là, ça donne que ma voisine, là, ça fait 50 ans qu'elle reste là. Il n'a jamais réparé son balcon. Heureusement, elle est au rez-de-chaussée, mais elle a refusé les augmentations tout le temps à cause de ça. Bien, il dit, si tu répares, je vais l'accepter, ton augmentation. Il ne fait pas. Fait que je me dis, il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire là-dessus. Fait que c'est là-dessus, moi, que je voudrais trouver des solutions tantôt. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup de monde qui ont des problèmes, mais peu de monde qui ont porté plainte au service des permis d'inspection de la Ville de Montréal. Ça donne. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi, je pensais que c'était à la régie du logement. Non, les deux. Okay. Tu peux intervenir les deux. La différence, c'est que souvent, le service des permis d'inspection, ça va être plus rapide. Quand je dis plus rapide, on veut dire en 2 à 3 mois. Parce que le monde, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que leur problème soit réglé. Hein? Permis d'inspection, c'est-tu 6 mois ou 3 mois? 3 mois, à peu près. 3 mois, OK. 3 mois, OK. Donc, moi, une des solutions que je vois, peut-être que je suis en voyant ça, ça serait au moins que le monde connaisse qu'il existe. Faire connaître ça. Première affaire. Ouais. Que l'arrondissement fasse connaître son propre service des permis d'inspection. Oui. Pour moi, je trouve qu'on fait souvent l'analyse de gentrification selon jeunes professionnels riches
et gens plus vulnérables, avec moins de moyens, qui eux autres vont être expulsés. Puis moi, ce que je remarque, c'est que, surtout dans le quartier en ce moment, et je vais m'inclure là-dedans, on est toute une gang avec on appelle ça du capital culturel. Ça veut dire que moi, je suis quand même super éduquée, mon chum aussi. On n'a pas d'argent en ce moment, mais ça veut pas dire qu'on n'en aura plus, pas à un moment donné. Puis c'est quoi notre rôle? Comment est-ce qu'on est responsable? Où est-ce qu'on se situe? Puis peut-être de changer l'analyse aussi, de dire c'est pas juste deux gangs. Je pense qu'il y a toute une gang, Antoine. Puis souvent, je me dis, ben, c'est surtout nous qui sommes responsables de ça. Tu sais, on a une grosse, puis je sais pas comment l'aborder, mais... Cette classe-là va grossir avec les... Moi, j'ai deux enfants, tu sais, oui. Puis va grossir aussi avec les problèmes d'économie qu'on vit en ce moment. Moi je suis partie à Gatineau, je suis revenue en sachant pas qu'il y avait une crise économique, fait que ça m'a pris 5 ans à avoir un emploi stable. J'ai 2 diplômes universitaires. C'est ça. Fait que, tu sais... C'est que ça renvoie au problème de la crise du marché de l'emploi qui perdure depuis le début des années 80, peut-être. Il y a bien des gens qui ont un gros capital scolaire ou intellectuel, mais qui n'ont pas tellement... ça débouche pas sur des emplois permanents, des emplois bien payés. J'en suis un exemple. Moi aussi, j'ai 2 diplômes universitaires, puis je travaille comme Camelou, tu trouves un journal chaque jour. Bon, sauf que d'un autre côté, j'ai passé ma vie à sautiller d'un stage à l'autre. Puis ça manifeste bien l'effondrement d'une partie de la classe moyenne, même éduquée. Ça débouche plus automatiquement sur des emplois bien payés et permanents. Ce qui veut dire que les locataires en difficulté ne sont pas tous des gens peu instruits. Tu as aussi des gens plus instruits qui ont des diplômes, mais qui... Puis si tu n'as pas d'emploi stable, si ton régime d'accumulation est insuffisant, ben, tu n'as pas accès à toute une série de biens et services de qualité, si on peut dire. Juste rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore nommé, que je vois comme un grand problématique, c'est un peu les rôles des élus et les décisions des élus et les personnes qui gèrent notre quartier un peu, et aussi le grand gouvernement, parce qu'il y a tellement de programmes comme accès condo, alors encourager le monde qui manque souvent les moyens d'acheter quelque chose qui est dans cette bulle de spéculation qui vaut trop cher pour qu'est-ce qu'il vaut. Alors, ça encourage un endettement, etc. Alors, il y a vraiment comme au lieu d'encourager et de prendre les vraies étapes pour essayer de freiner la gentrification, créer le logement social. Le pire qui puisse arriver dans une vie, c'est que quelqu'un d'autre décide de sa place. Ça, c'est ça le drame. Parce que quand on décide de notre place, on se fait imposer. On peut se faire imposer une bonne ou une mauvaise chose, mais dans les deux cas, c'est une mauvaise démarche. Même si on s'est fait imposer de quoi de mal. Ouais. Donc, officiellement, au niveau de l'urbanisme, pour en ajouter, c'est pas un coin plein de rue à cause... Il n'y a pas de stop ou il n'y a pas de traverse piétonnière. C'est ça, les règlements d'urbanisme. Comme la ville aurait pu avoir un regard, comme vous dites, sur l'art de la construction, ben eux, ils ont décidé que c'est trop dangereux. L'architecte a décidé que c'était trop dangereux pour une personne handicapée de descendre là. Donc, il n'y a pas prévu d'aménagement. Il ne faut pas penser nos villes à vol d'oiseaux, se demander quel genre de carte postale ça ferait, même si des fois c'est cool. Les gens vivent à pied, puis on souhaite qu'ils vivent de plus en plus à pied. Comment ils arrivent à circuler dans la ville? Comment ils arrivent à l'habiter? Fait que pour eux, ça fait du sens que si une personne ne peut pas passer sur un trottoir, ben, ton urbanisme ne répond pas aux besoins des citoyens. T'sais. Moi, j'aimerais ça voir 10 000 chaises roulantes sur la rue d'Orchester. Voir un évêque. Avec tout chacun un criard. On veut du logement pour tous et pour nous autres aussi. En marchant tous ensemble, évidemment. Ben oui. Je pense que les gens ont de mauvais... Les gens ne savent rien. Je dois les renseigner. Oh oui, l'OEBN est le sol, le cooperative est sol. Et ils sont très intéressés d'habitude, mais ils ne savent rien. Ou ils ont une attitude ou une... regard très négatif. Oui, ça c'est vrai. C'est juste pour les pauvres. Il n'y a pas des avantages, c'est juste les avantages. Acceptabilité du quartier. Évidemment, nous, on veut du logement social parce que ça va bonifier notre vie de quartier. Donc, de transformer la perception pour que ce soit quelque chose que les gens veulent avoir à côté de chez eux, à la base de la perception que c'est des gâteaux ou c'est juste des gens. Et il y a des bons projets. On peut les vanter et les bonnes coopératives. Mais les gens ne savent rien. Oui, c'est la très belle architecture aussi en logement social.
Et il y a beaucoup de gens qui veulent plus une vie communautaire, beaucoup de solitude. De personnes seules qui aimeraient mieux vivre une vie plus communautaire. Oui, ça c'est. Oui. Mais ils n'ont pas le concept de vivre dans un logement social. On va passer les ateliers par thème un à un, puis vous allez nous dire à la fois de quelle action vous nous conviez et la réalisation visuelle graphique que vous avez faite. L'action que l'on propose, c'est en fausse forme d'un album photo où une personne qui irait chez le locataire prendre des photos des problèmes de logement que le locataire vit. Sur chaque photo, on identifierait naturellement l'année, le nom de la rue, ainsi que le nombre de temps que le problème perdure. On rassemblerait toutes ces photos-là au sein d'un album qu'on irait déposer collectivement à un conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce qu'on voudrait faire, c'est présenter ce qu'est l'accessibilité universelle. On pourrait le faire en plusieurs temps, à table, commencer peut-être. Madame aussi a suggéré qu'on pourrait aller les petits matins, c'est quoi déjà? Les leptos, au comité des leptos, pour leur rappeler l'importance des logements accessibles. Et tout ça culminerait dans une présentation, action symbolique, au conseil d'arrondissement. Alors, on a pensé faire une exposition soit itinérante ou soit simultanément dans les trois bibliothèques de l'arrondissement sur le logement social et l'aspect ou le logement communautaire dépendant de la formulation. Là, montrer les aspects positifs de tout ça, de la vie communautaire, puis des avantages de la participation aussi dans le logement social ou communautaire chez les gens qui y vivent. Montrer aussi les luttes qui ont amené à ça, puis aussi avec forcément l'historique. L'action qu'on pense qui va être importante, là, c'est pour tout le quartier, c'est pas juste pour un petit secteur du quartier, ce serait d'obtenir du maire de Rosemont-Petite-Patrie une contribution foncière pour financer localement le logement social. La contribution financière, elle pourrait prendre plusieurs formes. Bien, qu'il y ait une contribution pour un pourcentage, une contribution pour du logement social. On a dit contribution parce qu'on ne veut pas dire taxe, on ne veut pas dire quoi que ce soit, qui se débrouille avec le mécanisme. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut obtenir, c'est la contribution. Merci.